Salut les ML, aujourd'hui on est là pour faire des fusions tout nus. C'est pas ça l'intro? T'as mis le micro? Ok, salut les Jerry. Oh, sa mère. Son cerveau il est abîmé le cousin. C'est son idée, petit latte. C'est son idée. Petit latte. Bon, on refait. Salut les guerriers, bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de la diète. Non, bon, est-ce qu'on va fusionner avec nos connaissances aujourd'hui? On va essayer de leur montrer qu'on n'a pas seulement le physique, mais on a aussi les diplômes qui vont avec. Parce qu'il y en a beaucoup qui nous regardent, mais qui ne savent pas qu'on est diplômé STAPS, donc la licence. C'est pour ça qu'on s'est permis d'ouvrir notre site internet. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Exactement. Vous y trouverez tout ce qu'il vous faut. Et aujourd'hui, on va parler un peu alimentation pour vous faire progresser en musculation. Donc on va pouvoir comparer un petit peu toutes les diètes possibles. Laquelle est la meilleure? Laquelle tu conseillerais à quelqu'un? Comment il doit organiser sa diète? Voilà. Quel est le meilleur régime alimentaire? Parce qu'on en voit passer des régimes. Alors, pas qu'un peu. On entend parler des régimes du camp, de Weight Watchers, de cétogène, de tout. Paléo, de véganisme, il y a plein de choses à faire. Nous, on veut juste dire, on va pas trancher, on veut juste vous dire que la meilleure diète, déjà, c'est la vôtre, les gars. Exactement. Faut savoir faire avec ce que vous avez dans votre frigo. Parce que déjà, on n'a pas tous le même budget. C'est vrai. Vous pouvez pas vous permettre d'acheter, par exemple. La viande par jour, ça finit par coûter cher. Ouais, déjà, la viande, c'est cher. Mais il y a des gens qui peuvent se faire des super diètes parce qu'ils ont un super budget. C'est vrai. Par exemple, on achète du beurre de cacahuète qui est ultra protéiné mais qui est ultra gras quand même. Ouais. Alors que les plus riches, tu sais ce qu'ils achètent, j'ai vu du ça au beurre d'amande. Du beurre d'amande. Ça coûte 20 euros. 20 euros le kilo. C'est abusé. Waouh. Mais les gars, il n'y a pas de gras et il n'y a que de la prod dedans. Ouais, incroyable. Voilà, pour vous dire, faut faire avec votre budget. Moi, quand j'étais étudiant, c'était la hasse. J'allais m'acheter des steaks, les pas de gamme, tu vois, c'était de la merde. Mais ça m'a permis de progresser. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Bon, déjà, faire avec son budget, c'est une bonne chose. Et faire aussi selon ses goûts. Ouais, une diète, ça se doit d'être tenue sur le long terme. De la muscu, vous allez en faire pendant des années. Si ça veut dire que votre diète, faut qu'elle vous tienne des années. C'est pas ça va durer 6 mois et après vous allez en avoir marre de votre diète et vous allez tout lâcher. Faut que pendant 5 ans, vous faites de la muscu, pendant 5 ans, votre diète vous plaise. De toute façon, vous verrez au début, ça va être compliqué, mais elle va s'améliorer au fur et à mesure. Vous allez découvrir des nouvelles choses, vous allez comprendre aussi des nouvelles choses en regardant Fitness Fusion par exemple. Et vous allez améliorer votre diète. Mais faut pas appliquer ce qu'un coach va vous donner noir sur blanc. Non. Il a mis flocons d'avoine cru avec des œufs crus. Faut bouffer ça dès 6h du matin. C'est impossible à tenir, les gars. Et c'est le meilleur moyen de développer des TCA. Qu'est-ce que des TCA? Des troubles du comportement alimentaire. Ah, c'est le meilleur moyen de développer des troubles du comportement alimentaire. Tu vas être tellement frustré qu'au bout d'une semaine, tu vas péter un plomb, tu vas te lever en pleine nuit. Et je sais de quoi je parle parce que je l'ai déjà fait. Je me restreins trop, je me lève en pleine nuit et 3h du matin. Je défonce tout ce que je trouve croissant, beignet, ah, c'est ça. Tout ce qui est possible. Mais de toute façon, ça c'est des grosses conneries. Et si on vous en parle, c'est qu'on les a fait. Moi aussi, je faisais des trucs d'assassin quand j'ai commencé. Des trucs d'assassin. C'est <expression, rire> incroyable. Venez dans le nord, les gars. Déjà, s'il commence dans la musculation, l'important c'est de faire les choses simples. Ouais. Quoi que tu fasses, tu vas progresser en faisant les choses carrées, en te faisant un peu plaisir, ça passe aussi en vrai. Voilà. Faut complexifier au fur et à mesure. Ça. Mais au départ, déjà, manger 3 repas par jour. Pour sain. Voilà, sain. C'est déjà très bien. Il y a des gens qui le font pas. Ouais. Donc, si vous faites de la musculation, dites-vous un petit déj, un déj et un dîner. Déjà, c'est parfait. Vous allez comprendre, peut-être en calculant vos macros, que vous allez avoir besoin d'un peu plus de protéines. Rajoutez un petit goûter protéiné. Donc, là, sur QNT, vous trouverez tout ce que vous voulez. Il faut les crêpes, les gaufres, les shakers, tout. Pour savoir combien j'ai besoin de protéines, combien j'ai besoin de calories, c'est des calculs. Voilà, il y a des choses à mettre en place. Ça, on peut vous aider. Science. On a mis en place sur notre site internet fitnessfusion.fr des plans alimentaires. Personnalisés. Comme on vous l'a dit au départ, ce ne sera pas des diètes écrits noir sur blanc parce que c'est pas intéressant, il faut la faire vous-même. C'est ça. Mais vous saurez exactement le nombre de calories que vous allez devoir manger pour progresser. On va le calculer pour vous. Voilà, on le fait pour vous. Selon votre objectif, que ce soit sèche ou masse, ou même maintien pour les sportifs, par exemple, pour ceux qui font du foot, ils veulent être athlétiques, la diète, c'est important. Vraiment, dans cette diète personnalisée, vous retrouverez tous les outils pour vous construire une diète vous-même, que ce soit les calculs de vos calories, les calculs de vos macronutriments. On vous donne une liste d'aliments sains à consommer. Il y a vraiment une liste parfaite des aliments musculation. Vous avez juste à choisir ce que vous aimez, l'incorporer à votre diète. Donc, macro, calories. Dans l'ordre, c'est calories et macros. Ça, c'est la chose la plus importante sur à connaître pyramide sur de... soi. Elle sera affichée à l'écran, vous verrez bien de toute façon. Voilà, donc le plus important dans une diète,
c'est la total calorique. Total calorique, c'est ce qui se trouve tout en bas. Juste au-dessus, vous avez les macros. Ensuite, les micronutriments, dont tout ce qui est minéraux, oméga, vitamines. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Et juste au-dessus, le timing. Donc, commencez pas, vous voyez la part infime qu'elle a sur la pyramide. Commencez pas à nous demander à quel moment je dois manger. Est-ce que c'est mieux de manger le soir les féculents ou le matin? C'est ça. C'est pas important, les gars. Le principal, c'est de savoir ce que vous allez manger au total. Exactement. Dans la journée et je dirais même sur la semaine. Vous calculez sur la semaine, de toute façon, total calorique. Mais parce qu'il y a des jours où tu seras plus bas, là tu seras un peu voilà. Plus haut, faut en profiter pour équilibrer la chose. Mais nous, dans les suivis à distance, on le fait au jour le jour parce que c'est plus simple à suivre. Bien sûr, même c'est vous, plus simple à calculer. Vous rentrez votre alimentation au jour le jour, c'est plus simple à suivre. Bon, je pense qu'on a fait le point. Je pense qu'on a fait le tour et ils ont vraiment bien résumé. Ils ont compris qu'il n'y a pas de régime miracle. Non. En gros, les diètes strictes avec 120 grammes, machin ici. Tout vraiment bien calculé, c'est ça vraiment prend la tête. Ça prend la tête et c'est, je pense, que c'est un truc à faire vraiment quand vous préparez quelque chose. Tu prépares une compétition, t'as, je sais pas, un grand match de foot, tu dois te préparer. Exactement. Là, ça devient important. Mais nous, on est des mecs lambda. Ben, bien sûr. Optimiser au maximum les résultats physiques. C'est ça. On n'a pas besoin de prendre la tête. Voilà, on n'a pas besoin de se mettre dans des états de folie, ben de secte pour y arriver. Nous, c'est pas ce qu'on fait en tout cas. Et si on le fait, on est naturel. Vous pouvez le faire. Donc voilà. Moi, je pense qu'on a fait le tour. On leur a donné toutes les clés. Maintenant, si jamais ça les intéresse, fitnessfusion.fr, on peut s'occuper de tout ça pour vous, il n'y a pas de souci. Ils commencent à comprendre que maintenant, le mercredi, c'est la pub pour le site internet y a pas et que le dimanche, c'est le fun. On s'amuse. On vous fait plaisir le dimanche voilà, quand même, ça. Les gars. Donc, activez la cloche, commentez et tout, ça nous aidera. On vient de lancer le site, on veut que ça marche. Bien sûr. Là, on tourne ces vidéos à l'avance. Du coup, on ne sait pas du tout comment ça se passe. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça marche ou pas? On est dans le flou total. On vous fait confiance. Si vous nous faites confiance aussi, soutenez-nous. C'était Fitness Fusion de la FF. Vous étiez en présence de Pimous et Didio. Force et fun.